Je vais aujourd'hui te raconter, mon fils, une belle histoire. Elle commence en 1907. Cette année-là, le premier port moderne vit le jour à Casablanca. Cette date est le début d'une grande et belle aventure. Patiemment, au fil du temps, le royaume du Maroc développe tant et si bien ses ports qu'il s'est hissé aujourd'hui au rang des nations disposant de ports modernes et en alignement avec les standards internationaux. Le Maroc jouit d'une position géostratégique avec un littoral de 3500 km et un positionnement sur le détroit de Gibraltar, telle une fenêtre sur le monde. Cette position confère au secteur portuaire un rôle majeur dans le développement du commerce extérieur du royaume. Étant un levier stratégique pour l'amélioration de la compétitivité économique du pays, des outils qui contribuent à l'aménagement du territoire et des pôles de développement régional. Au cœur de cet écosystème portuaire, réglé comme une horloge, l'Agence nationale des ports, tel un chef d'orchestre, veille sur l'harmonie globale de l'écosystème portuaire et au bon déroulement des opérations logistiques diverses et variées. Et la tâche est immense. L'agence chapeaute 33 ports, 10 ouverts au commerce extérieur, ports de Nador, d'Al Hoceima, de Mohamedia, Casablanca, de Jorflasfar, de Safi, d'Agadir, de Tantan, de Laayoune, de Dakhla, 6 ports de plaisance et 19 ports de pêche. Rien ne doit perturber le fonctionnement de cet immense écosystème bâti sur le modèle du Landlord Port. Pour accompagner les mutations du transport maritime, l'ANP n'a de cesse de consolider et de moderniser l'offre portuaire, de bâtir des référentiels permettant la régulation du secteur, d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de concevoir et de piloter des projets communautaires au service de l'efficacité et l'efficience des prestations portuaires. Animé par la passion de l'excellence portuaire, la vision stratégique de l'agence consiste à disposer d'un outil portuaire national performant et efficient au service de la compétitivité du commerce extérieur du royaume. 4 missions supportent la vision stratégique de l'ANP. La régulation des activités et des opérateurs portuaires, le développement et la préservation du patrimoine portuaire, la sécurité, sûreté et protection de l'environnement, l'ouverture sur l'écosystème portuaire. Pour assurer pleinement ses missions, l'ANP est organisée en une direction générale qui arrête les stratégies, définit les orientations et arbitre les choix en matière d'allocation des ressources, et 7 directions régionales qui veillent sur la mise en œuvre sur le terrain des politiques et stratégies arrêtées. La logistique portuaire, un mécanisme complexe que l'ANP a réglé comme une horloge. Aujourd'hui, les ports accueillent plus de 15 000 escales par année, qui assurent le transport de 90 millions de tonnes sur un trafic portuaire national global d'environ 140 millions de tonnes. En plus du trafic commercial, d'autres activités coexistent dans les ports telles la pêche, la plaisance, la réparation navale et d'autres activités connexes au service des navires et de la marchandise. Il s'agit donc d'une véritable complexité organisée, d'où l'intérêt de créer des synergies convergentes entre les différents intervenants qui concourent au transit du trafic portuaire. Agents maritimes, consignataires de navires, freight forwarders, concessionnaires de terminaux, transporteurs, transitaires, sociétés de remorquage et de pilotage et divers organismes de contrôle, etc. Et chaque jour, l'agence s'assure que tous jouent la même partition, que tout se synchronise. Les résultats sont là et les chiffres en témoignent. Une croissance moyenne annuelle du trafic portuaire de 3%, une amélioration des cadences de manutention avoisinant les 27 conteneurs EVP par heure, une réduction des délais de séjour des marchandises et des délais de traitement des navires. Énormément de défis font du développement des ports l'un des enjeux fondamentaux pour le dynamisme du commerce extérieur du royaume et des territoires qu'ils desservent. C'est dans cette optique que l'ANP veille sur l'efficacité et l'efficience de nos ports. La compétitivité de notre économie et particulièrement de nos exportations en dépend. C'est là une grande responsabilité. Pour y faire face, l'ANP a fait de la régulation des activités et des opérateurs le socle de son action. Tout doit être synchronisé et coordonné. Tout doit agir selon un référentiel bien défini pour garantir l'efficacité globale et la compétitivité de l'écosystème. Le bilan est plus que positif. L'ensemble des intervenants portuaires exercent leur activité conformément au cadre légal régissant le secteur. Une dynamique régulatoire riche de référentiels et de standards
s'est construite et mise en place au fil des années. Sur un autre plan, l'ANP n'a cessé de remonter des nouveaux défis inhérents aux mutations que connaît le transport maritime et le mode de conditionnement de fret. La stratégie portuaire 2030 fixe le cap. L'agence, elle, contribue pleinement à sa déclinaison sur le terrain. Avec plusieurs milliards de dirhams d'investissement durant ces dernières années, l'ANP confirme sa mission de développement de l'outil portuaire national. Cet effort d'investissement est marqué notamment par des projets structurants dont les coups d'envoi ont été donnés par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Le projet Wessel Casablanca Port, avec quatre grandes composantes, un port de pêche, un terminal de croisière, un chantier naval et un bâtiment communautaire. La desserte nord du port de Casablanca, l'extension du port des Sawira, la construction d'un nouveau port de plaisance à Al Hoceima, l'extension du terminal nord et la construction d'un terminal polyvalent au port d'Agadir, l'extension des infrastructures du port de Jorflasfar. Une cadence soutenue favorisant l'émergence d'une offre portuaire nationale moderne et diversifiée, en phase avec les enjeux du XXIe siècle. L'ANP est soucieuse de la sûreté, de la sécurité et de la protection de l'environnement. L'offre portuaire marocaine s'insère dans un gigantesque écosystème mondial fortement normalisé. Les standards sont continuellement alignés sur les meilleures pratiques à l'international. Tout est fait pour préserver le précieux capital confiance qu'elle a su gagner auprès des armateurs. Sûreté, sécurité, développement durable des ports, l'ANP est sur tous les fronts. Certification aux normes ISPS internationales, certification ISO 9001 et 14001 des capitaineries des ports, renforcement et modernisation de la logistique et des équipements d'intervention, la responsabilité sociale et environnementale. Autant de mesures fortes qui limitent l'impact environnemental de l'activité portuaire. L'ANP est également soucieuse de la cohérence globale des différents membres de la communauté portuaire. Elle le fait à travers des projets à forte valeur ajoutée. La digitalisation, la dématérialisation et la tendance Smart Port constituent des leviers d'action pour disposer de ports intelligents. Dans cette politique, la plateforme communautaire, guichet unique des procédures de transit, PortNet, a marqué un tournant décisif dans les opérations d'import et d'export. Grâce à PortNet, les ports marocains sont entrés dans l'ère de la dématérialisation. La création de l'Observatoire de compétitivité des ports marocains pour s'assurer de l'atteinte des performances escomptées des activités portuaires. Cet outil a permis d'asseoir un nouveau management de pilotage de la performance portuaire en rapport avec les différents indicateurs de mesure de la qualité de service. La formation de milliers de personnes sur le plan national et international, l'Institut de formation portuaire, IFP, a renforcé ses moyens par la mise en service d'infrastructures de formation et d'un simulateur qui dispose d'une haute technologie de génération récente, permettant aux opérationnels de simuler la conduite des engins avec la sensation quasi réelle. Sur un autre plan, l'ouverture sur son environnement international constitue pour l'ANP un impératif pour rester à l'écoute des meilleures pratiques et avancées technologiques du secteur. Des accords de coopération et des partenariats à l'international confortent cette ambition. Au cœur de cette dynamique, l'Agence nationale des ports fait de sa politique des ressources humaines un levier d'action de premier ordre. Des formations adaptées, des missions de benchmark sur mesure, une gestion des carrières formalisée, autant de mesures qui versent dans le sens de la motivation du capital humain. Le secteur portuaire est une des clés d'un avenir prospère pour notre patrie. Cette responsabilité, nous en avons pleinement conscience. Nous sommes déterminés à poursuivre notre œuvre et bâtir des ports modernes pleinement connectés au XXIe siècle. À l'image du Maroc moderne, nos ports ont un pied dans le présent et un autre dans le futur. Cher Père, le monde nous appartient. L'avenir nous ouvre ses bras. L'Agence nationale des ports. Un engagement partagé.